écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM. L'humeur du temps vous est présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les premiers et derniers samedis de chaque mois. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comment allez-vous? Voilà, c'est David Abbassi avec vous, comme chaque dernier samedi du mois et premier samedi du mois, c'est-à-dire notre prochain rendez-vous, ça serait premier samedi du mois de juin. Vous allez bien? Non. Catastrophe, malheureusement. Et je le sais bien, puisque plusieurs milliards de personnes sont en difficulté depuis déjà quelques mois à cause de coronavirus, beaucoup de faillites, beaucoup de pertes humaines, perte morale, les problèmes familiaux, etc. Surtout, ça c'était grave pour la famille qui n'avait pas assez le moyen de vivre. Et comme j'ai constaté, malheureusement, l'aide sociale n'était pas très active en France pour les gens qui n'avaient pas le moyen de vivre. Il y avait des actes solidaires de la part de certaines associations, etc. Mais ça ne pouvait pas couvrir la totalité de misères qui existent, malheureusement. Les informations qui se continuent, les élections surtout, on va le faire le mois de juin, déconfinement petit à petit, et voilà, 56 personnes ont été mortes hier. Ça s'est baissé. Alors, mais les contestations, enfin, n'est pas comme avant. On ne peut plus contester. Rassemblement, c'est interdit, etc., etc. Mais il faut penser au peuple qui n'ont pas le moyen de manger. Alors, vous savez, il y a certains problèmes politiques, à part de certains problèmes politiques nationaux ou internationaux, il y a également certaines remarques, on peut dire. Vous connaissez Gérard Colomb, le seigneur, notre ancien ministre de l'Intérieur, il a bien travaillé, il faut le dire, le maire de Lyon, qui a quitté le gouvernement. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Dans la dernière élection municipale, il était le deuxième dans son arrondissement. Alors, il vient d'annoncer comme quoi il va se retirer du milieu politique et il va laisser sa place à quelqu'un de la partie Les Républicains. C'est-à-dire, lui, il était socialiste, mais tout le monde le considérait depuis toujours quelqu'un de droite. Alors, au moment qu'il va quitter, il a laissé la place à quelqu'un de mouvement, les républicains, voilà. Il avait abandonné le camp de Macron, déjà, les conflits qu'il y avait et tout ça. Et ça, on peut dire, c'est une vengeance. Alors, ça, c'est première info de ce soir, mes chers amis. Ça va continuer. Il y aura beaucoup d'autres choses à dire, à écouter. Et n'oubliez pas que toujours vous avez la parole. Vous avez toujours la parole. Vous pouvez intervenir et dire ce que vous voulez en composant le 08 92 23 95 20.